avant de partir au Rayon pour la saison 2017 et la saison 2018 aussi, puisqu'il va logiquement y rester en tout cas. Noisillette, la mère, et Portatarissime, qui était lui aussi un étalon gris, donc elle était vraiment, vraiment née, cette pouliche. Feijoada, présentée par M. Claude Petracy, de Parel Frésil, pour être grise. Allez, on va pouvoir marcher. Allez, on va aller au trot avec ce Feijoada qui appartient à Esmeralda de Tracy, qui est le long de la barrière en train d'observer avec la plus grande attention l'évolution de sa pouliche. Pouliche née, je ne l'avais pas précisé, le 29 avril. Noisillette, la mère, Pardalaricine, elle-même grise, a montré du talent. Elle s'est imposée dans le prix d'Estuval à Moulins, tout près d'ici, ainsi dans les prix Henri Didier à Châteauroux. Et peut-être mieux encore, elle a pris deux places de la plus haute importance à Paris à l'occasion du prix Chloris à Saint-Cloud et du prix Glorieuse à Maison Lafitte. Deux épreuves du circuit classique des femelles d'âge à QPS de 4 et 5 ans qui sont aujourd'hui